the fire, burn the fire brigade. Help us, so tonight we losing this fight. Oh, help us, so tonight. デコリー。嘘だろ。誰かいないか。コリー下がれ。俺の家だ。こいつ動けないのか。じゃあ、どうやってここまで来たんだ？妙だな。誰か死体を見たか？ いえ、見てません。全員逃げたんだよ。きっと巨人を発見したのが早かったんだ。そうか、そうですよね。誰もいない空き家を巨人は壊したのか？それに、なぜ馬が残っている？松明の調達は済んでいるな。出発するぞ。何も聞こえていない。今は任務に集中しろ。ありえないんだけどさ、あいつなんか母ちゃんに。ゴニー、今がどんな状況か分かってんのか。俺たちの働きが何十万人もの命に影響してんだぞ。兵士なら今最善を尽くせ。ああ、そうだ、その通りだ。Yo, salut tout le monde, c'est Benjamin 103O. On se retrouve pour la deuxième partie de l'attaque des Titans 2, comme je vous l'avais promis. Alors je tiens à préciser que dans cette vidéo, je ne me retiendrai pas des spoils, hein. Donc si vous ne voulez pas découvrir ce qui se passe dans la saison 2 ou plus, dans la saison 3 ou 4, parce que je vais en parler de ça aussi, je vous conseille d'arrêter cette vidéo. Parce que je vais vraiment pas me retenir, hein. Je vais vraiment parler de tout ce que je connais sur l'attaque des Titans. Donc voilà. Donc, je vous aurais prévenu, prêt à vous décider si vous voulez continuer à regarder cette vidéo ou non. Donc là, comme vous avez pu voir au début de la cinématique, on commence un tout petit peu après le début de la saison 2, quand Connie a demandé à Mike d'aller voir son village, parce que les Titans sont rentrés et ils sont arrivés en direction du village de Connie et de Sacha aussi, parce qu'elle habite pas loin. Et du coup, bah, Connie s'inquiète pour sa famille et tout. Ils se sont rendus dans son village. Et il n'y avait pas d'humains, pas de traces de sang. Donc évidemment, ça paraît suspect. Hein. Et bah, évidemment, là, c'est un spoil hein, que je vais vous dire. Les Titans qui sont rentrés avec le Titan bestial sont des humains transformés. Alors le Titan bestial, c'est Siegle, le demi-frère d'Eren. Et oui, grosse révélation là-dessus, hein, c'est vraiment du gros spoil. Hein. Et alors le Titan bestial, lui, il a le pouvoir de diriger les Titans, mais en même temps, bon, ils l'ont pas montré hein, dans l'animé ou même dans les bouquins, mais on sait que Siegle a injecté du liquide cérébrospinal dans les personnes du village de Connie et de Sacha, enfin plus de celui de Connie, et du coup bah, ça les a transformés en titans. Alors apparemment le village de Sacha lui a été à moitié épargné, il n'y a que quelques civils qui ont été attaqués. Alors je vais pas tout vous révéler d'un seul coup, hein. On va y aller petit à petit. Donc, alors, on va d'abord mettre les compétences. Voilà. Alors là, la mission se passe juste après. Bah, le groupe de Connie a quitté son village et sont allés rejoindre les autres
à la tour d'Utgard. Et là, ça va être vraiment un massacre. Alors, on va bien s'équiper parce que j'ai pas envie de me faire tuer par les titans direct. Ah ouais. J'ai pas encore débloqué la compétence que je veux. Ok, donc on va commencer la mission. On va faire un petit retour dans le passé. Mais vous ne verrez pas ce que je vais faire. Enfin, pas entièrement. Ah, je peux pas lui parler encore, dommage. Bon bah vous verrez pas ce qui va se passer. Donc du coup on va retourner à la tour d'Utgard. Et on va lancer la mission. Alors c'est un peu comme Final Fantasy XV. On peut retourner dans le passé. ところでコニー、お前の村はどうだった？壊滅した。巨人に踏み潰された跡だった。そうか。そりゃ。でもみんなうまく逃げたみたいで、それだけは良かったんだけど。ただずっと気になってるのが。自力じゃ動けねえ体で、なぜか俺の家で寝てやがった。そいつなんだかか…コニー、まだ言ってんのか。お前はお前の母ちゃん巨人だったのかよコニー。じゃあなんでお前はチビなんだよ。おい、もううるせえな。その説が正しければお前の父ちゃんも巨人なんじゃねえのか。じゃねえと。うるせえ、クソ女もう寝ろ。いやいや、今の話じゃそうとしか考え。だからもう黙ってろこのクソ女。さて、おしゃべりはこのくらいにして、君たちはもう休んでくれ。Voilà, donc là, Connie a raconté aux autres ce qu'il a vu dans son village, et évidemment, Ymir, elle, s'est foutue de lui. Mais parce que vous allez le découvrir dans cette vidéo, parce que Ymir était au courant. Ymir est une titan, et vous allez la voir se transformer. Alors normalement il va y avoir une cinématique, donc je vais vous laisser la regarder et on se retrouve juste après. が出てきて気がついたら、なんでだよ、なんでまだ動いてんだ。日没からかなり時間が経ってるのに。どうなっているの。おい、あれを見ろ。敵、なんだこいつは。巨人っていうか、あれは獣じゃねえかなあ。 あいつ壁の方に。おい、待て待て待て待て待ってくれ。
ざけんじゃねえぞ。新兵は下がっているんだよ。けど君には戦ってもらおう。ここからは立体機動装置の出番だ。行った。Ok, donc là on est parti pour la protection de la tour. Alors évidemment, hein, pour ceux qui se poseraient la question, mon personnage n'existe pas dans l'animé, hein. C'est un personnage fictif. Hein. Parce que franchement, quand je vois les gens, je me doute qu'il y en a au moins un qui va me dire « Eh, mais c'est bizarre, on n'a pas vu ton perso dans l'animé. » Bah oui, normal, il est fictif. Alors, pour ceux qui ne sont pas non plus au courant, Berthold et Reiner sont tous les deux des titans aussi. Eh oui. Bon, quasiment tous les fans de AOT le savent, hein, mais... certains ne le savent pas, donc je vous le dis si vous regardez ces vidéos. Berthold, c'est le titan colossal. Et Reiner, c'est le titan cuirassé. Alors, bon, ça c'est quelque chose qu'on ne verra pas dans le jeu parce que c'est beaucoup trop loin. Mais à savoir, il y a 9 titans primordiaux. Alors, qu'est-ce que sont les titans primordiaux? Les titans primordiaux, en fait, sont les 9 titans contrôlables. Comme Eren... qui lui se transforme en titan assaillant, Annie en titan féminin, enfin en gros les titans primordiaux c'est ceux qui peuvent être contrôlés par des humains. Alors à savoir que si un titan normal mange l'un des 9 titans primordiaux, admettons hein, qu'un titan normal là mange Eren, et bien ce titan retrouvera sa forme humaine et du coup bah, sera en mesure de se contrôler et en même temps il possédera le pouvoir du titan d'Eren. Comme par exemple, bon là aussi je vais vous dire un spoil, Armin au bout d'un moment va être transformé en titan et va manger Berthold, donc Armin pourra accéder au pouvoir du titan colossal. A savoir aussi que les personnes qui possèdent les pouvoirs des 9 titans primordiaux, comme par exemple Eren, à partir du moment où ils ont acquéri leur pouvoir de transformation en titan, ils n'ont plus que 13 ans à vivre. Donc après, la question à se poser, c'est que personne ne sait jusqu'où va aller le manga. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce que au bout d'un moment, les personnages importants comme Eren vont mourir et être transférés à d'autres personnages qui vont devenir importants, un peu comme Death Note, où les premiers personnages de l'histoire sont remplacés par d'autres. Après, on ne sait pas. Alors ce qui est sûr là, c'est que je vais vous en apprendre pas mal sur l'attaque des titans. Après je peux pas tout vous raconter en détail parce qu'il faut lire les bouquins. Parce qu'il y a tellement d'informations en fait. Alors au moment où je fais cette vidéo, actuellement il y a 24 tomes qui sont sortis et pour l'instant j'en ai lu que 23. Mais c'est assez loin. Le tome 23 je pense qu'il correspondra à environ 6 ou 7 saisons quoi. Ce qui est bien aussi, c'est que dans les bouquins, on voit bien l'histoire de chaque personnage. On voit l'histoire du père d'Eren,
Donc on sait comment il a eu un demi-frère, Sieg. On apprend aussi comment Eren a acquéri son pouvoir de titan. Après, je me répète aussi, hein. Mais si vous êtes vraiment fan de l'attaque des titans et que vous n'aimez pas lire, je vous conseille quand même de lire les bouquins. N'attendez pas la sortie de la saison 2 en VF. Enfin, moi, je l'ai déjà parce qu'elle est sortie en DVD. Mais elle devrait pas tarder à sortir sur France 4 en français. Mais j'étais tellement pressé que j'avais pris le Blu-ray. Genre, je l'ai pas one shot. Et du coup, pour en revenir aux 9 titans primordiaux, faites le calcul de ceux que vous connaissez déjà. Alors, il y en a 3. Alors, parfois, j'oublie leur nom. Il y a Eren, titan assaillant, Annie, titan féminin, Rainer, cuirassé, Berthold, colossal, Sieg, bestial. Après, il y a le marteleur. Alors, ça, je sais pas. Enfin, je sais plus comment il s'appelle, le personnage qui a ce pouvoir. Dans les bouquins, on entend son nom, mais on le voit pas. Alors, il y a le marteleur, le charrette, et les deux autres, je sais plus comment. Ah oui, il y a le titan originel que possède aussi Eren. Alors, malheureusement, l'originel, on le verra. Enfin, on voit le pouvoir qu'il a à la fin de la saison 2 parce que Eren l'utilise. Mais on voit pas sa transformation. Parce que Eren a deux titans en lui et il contrôle que l'assaillant en transformation. L'originel, il sait même pas qu'il l'a encore. Et le dernier, je sais plus comment il s'appelle. Alors c'est un titan très spécial, le dernier, je sais plus ce que c'est son nom. Alors son possesseur en fait peut contrôler son titan, mais sans être dans sa nuque. Il se met un peu dans une sorte de stase, un peu comme Annie à la fin de la saison 1. Et il y a un cordon ombilical qui relie sa pierre au pied de son titan. Et du coup, il peut contrôler son titan à distance. Mais par contre, je me rappelle plus de son nom. Alors, c'est un titan qui est vachement agile parce qu'il peut utiliser des armes. Enfin, quand je dis des armes, je pense à des grands bâtons ou des arbres, par exemple. Mais je me rappelle plus de son nom. Hop. Ça c'est fait. Alors ce qui est pas mal dans le jeu, c'est qu'ils ont mis des matériaux dans les bras et les jambes des titans pour forcer les joueurs à attaquer les membres au lieu d'attaquer uniquement la nuque. Bon, après, des fois, on s'en fout un peu des matériaux. Hop.
Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les humains sont des titans. Bon après j'ai pas vraiment envie de vous dire pourquoi les titans sont des humains. J'ai envie de vous inviter à lire les bouquins, mais je sais que certains ne le feront pas. Et c'est bien dommage. Voilà, alors celui-là, normalement, c'est le dernier. Ah non, il en reste quelques-uns. Ah, j'avais pas fait gaffe. Ah, le bestial. Alors, dans l'animé, le bestial, il vient pas combattre à la tour d'Utgard. Il fonce directement au mur. Voilà, c'est juste histoire de mettre un boss. Hein. Hop. Ah, le cocktail Molotov, il est vachement efficace. Ah, fous-moi la paix là. À l'assaut. Allez. Je suis en mode galère là. C'est bon, je l'ai eu. Ah, il a pris la fuite. Alors j'avais dit qu'on verrait Ymir se transformer là, mais apparemment c'est un peu trop tôt. Ouais, j'ai parlé un peu trop vite, c'est dans la mission d'après qu'on verra Ymir se transformer en titan, mais malheureusement, je ne vais pas vous la montrer maintenant. Et je pense qu'on va même s'arrêter ici, pour éviter trop de spoil, hein, parce que je pense que j'en ai dit vachement trop là, en plus. Donc voilà, donc on se retrouvera dans une autre vidéo, qui se trouvera un peu plus loin. Bon, pareil, je vous raconterai des spoils, mais pas trop, parce que là, je pense que j'ai vraiment un peu abusé sur l'histoire. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions, à mettre un j'aime aussi, ça me ferait très plaisir, et à vous abonner au passage, parce qu'à 1000 abonnés, il y aura un concours pour un jeu offert, je tiens à vous le préciser. Et du coup, on se retrouvera une prochaine fois, c'était Benjamin103O sur AOT2, ciao tout le monde.